Alors, bonjour mes amis, vous allez bien? Moi, ça va très bien. C'est Racha, votre prof de français. معاكم مس رشا معلمتكم للغة الفرنسية. إذا بتتذكروا الحصة الماضية أخذنا عن les adjectifs possessifs, donc les adjectifs possessifs وهي أدوات الملكية باللغة الفرنسية. Aujourd'hui, nous allons réviser, رح نعمل شوية مراجعة قبل ما ناخذ exercice. Donc, here, لما يكون المالك مفرد le possesseur singulier. إذا كان المالك مفرد يعني أنا أنت هو أو هي أنا أنت هو أو هي d'accord la chose possédée الشيء المملوك إذا كان singulier مفرد أو مؤنث أو إذا كان بالجميع masculin et féminin تذكروا دائما إنه there is no difference between masculin et féminin أو pluriel donc on a utilisé mais t c'est un pluriel إذا كان ماسكولا أو فيمينا طيب إذا كان المالك مفرد أنا ماسكولا I will use مو j'utilise مو et فيمينا ma et بلوغيال مي par exemple c'est mon père c'est mon père père it mean father father my father c'est mon père d'accord طيب ma mère my mother mother mère féminin j'utilise ma mère donc mon père c'est mon père my father ma mère my mother mes parents my parents mes parents, tu, it's mean your father, ton père, your mother, ta mère, et tes parents, donc ici, le possesseur singulaire, il or elle, il, it's mean he, elle, she. Son père, his or her père, son père, his father or her father, son père, sa mère, sa mère, ses parents, ses parents. Donc masculin, féminin et pluriel. Masculin, mon et féminin ma pluriel mais tu ton masculin ta féminin était pluriel il elle son masculin sa féminin et ses pluriel ici مثل ما حكيت لكم انه راح نضيف بعض الأمثلة راح نحلها قدام بعض les adjectifs possessifs donc les adjectifs possessifs ici la date هذا تاريخ الأسبوع a complété avec mon ma et mes complété avec mon ma mes mon pour le masculin ma pour la féminin et mes pluriel donc A, ici, frère est en Irlande. Ici, frère, it means brother, my brother. Frère masculin, donc, est-ce que je connais les réponses, terefou l'éjabé? Oui, c'est très bien. Mon frère, parce que frère est masculin, donc mon frère. B. Sœur, it means sister, my sister. Sœur en français et en arabe, féminin. Donc, ma. Ici, la réponse est ma. Ma sœur, my sister, ma sœur, ma sœur. Si, enfants sont à la plage. My children, my children, donc, ici nous avons S, donc pluriel, S, donc, mais. Oui, c'est ça.
Mes enfants, des montres, montres, les Sarah. Donc, Sarah en français, ma. Ma montre, ma montre. Ne fonctionne pas. Sarati, lam tusallah. Ma montre. Cours de français fini à 2 heures. Cours de français, هي حصة اللغة الفرنسية. اس هون عندنا الاس أصلية. كور كور فهي ليست اس الجماع دونك cure, mon cure, mon cure. En français, حصة هي مذكر. مثل ما قلنا إنه في كثير كلمات باللغة الفرنسية بتكون عندهم مذكر لكن عندنا مؤنث. ليس بالضرورة إنه إحنا نكون متوافقين معاهم بالمعاني سواء كان مذكر أو مؤنث مثل ما حكينا قبل مثل كلمة شيز كرسي باللغة الفرنسية هي كلمة مؤنثة لكن في اللغة العربية هي كلمة مذكرة فكلمة كور معناها حصة هي مذكر مون كور مون كور دو فرانسي فيني ا بالساعة الفلانية داكور لا دوزيام كيستيون Compléter avec son, sa et ses. Hakena son, here. Pour le masculin et sa féminin et ses pluriel. Lama bidna nihki an he or she. D'accord, donc. Mona Lisa. Tu connais Mona Lisa? Tu Mona Lisa? Mona Lisa est célèbre pour. عرفت الموناليزا من أجل ضحكتها إذا الموناليزا هي معروفة من أجل ضحكتها en français ضحكتها هي son son sourit son sourit son sourit donc موناليزا موناليزا est célèbre pour sourire هنا إحنا بنعتمد على الكلمة اللي بتكون قبل اللي بتكون قبل اللي بتكون بعد الفراغ سورير سورير اللي هي الضحكة أو البسمة en français et masculin sans sourire sans sourire d'accord مثل ما حكينا إنه مو كل شيء عنا بلغتنا مذكر بيكون عندهم مذكر أو بلغتهم بيكون عندهم مؤنث فهي اللغة تختلف بين المذكر والمؤنث هم بقولوا sans sourire sans sourire d'accord شارلي شابلن est célèbre pour son humeur. من أجل أنه هو مضحك. من أجل ضحكته. فلا réponse ici son. Son. Son humeur. Son humeur. من أجل الضحك. Mozart. Mozart. Tu connais Mozart, اللي هو الموسيقي. Est célèbre pour musique. En français féminin, donc, sa musique. Sa musique. Donc, Mozart est célèbre pour sa musique. Pour sa musique. D'accord. Jules Verne est célèbre. Jules Verne, هو كاتب فرنسي معروف. عنده مؤلفات. قصص. بس هو معروف بال قصص الرومانسية. ici nous avons S donc pour رومانسيات مثل ما بنقول باللغة العربية pour ses romances pour ses romances pour ses romances donc ici nous avons S donc C ici Ed Biaf Biaf est célèbre pour ses chansons من أجل أغاني هو Biaf هو مغني فرنسي معروف سي شانسون ici nous avons S ici nous avons S donc on utilise C Albert Einstein est célèbre
Bourg, intelligence. Intelligence en français, son. Son. Donc, son. Intelligence. Son, intelligence. Son, intelligence. Pablo Picasso, Pablo Picasso, tu connais Pablo Picasso, il célèbre pour. Ici, tableau, مش دائما عندنا علامة المؤنث باللغة الفرنسية S، أحيانا بتكون عكس، أحيانا بتكون هذه العلامة تابلو من أجل لوحات، فهي كلمة جمع. بور سي تابلو، بور سي تابلو. نابليون، the last one, H here. نابليون est célèbre pour sa stratégie. Pour sa stratégie. هنا كلمة استراتيجية مؤنث. Donc, on a utilisé ça. Donc, Mona Lisa est célèbre pour son sourire. Charlie Chaplin est célèbre pour son humeur. Mozart est célèbre pour sa musique. Jules Verne est célèbre pour ses romances. Edith Piaf est célèbre pour ses chansons. Albert Einstein est célèbre pour son intelligence. Pablo Picasso est célèbre pour ses tableaux. Napoléon est célèbre pour sa stratégie. Pour sa stratégie. Merci beaucoup. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou à Emilat. D'accord. J'attends le email. J'attends Emilat comme ou à Moulahadat comme. Donc, aujourd'hui, merci de votre attention et moi je vous dis à très à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.